Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 20 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, échelon. Chacun de nos actes, chacun de nos échecs, chacune des leçons de la vie sont autant d'échelons qui nous permettent de progresser et d'aller plus haut. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé à justement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussir pour multiplier, eh bien, vos capacités de réalisation future. Ajustement, ce qui n'est pas toujours facile d'ajuster. Si vous parvenez à trouver, eh bien, l'équilibre entre vos aspirations et votre intellect, eh bien, tout sera plus facile, car vous saurez pertinemment dans quelle direction vous dirigez. Et là, la difficulté d'ajuster, n'est-ce pas, ses aspirations, son équilibre, son intellect. Il faut peut-être, pour certains d'entre vous, que vous filtriez vos attentes et vos désirs. Vous ne pouvez pas tout obtenir d'une fois, n'est-ce pas? Alors, faites une liste de vos envies et pourquoi pas, écrivez-les dans l'ordre d'importance que vous désirez accomplir et passez à l'action en veillant à ce que votre petit cœur et votre intellect soient sur le même niveau, n'est-ce pas? C'est pas facile, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, ajuster ce qu'on aspire, ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait, nos attentes, l'ordre des événements qu'on voudrait que ça se réalise. Le plus important, on dit encore, de vivre ses rêves et de ne pas rêver sa vie, et en ajustant, en mettant de l'équilibre à nos aspirations avec nos pensées, cela est possible. Voilà, faire un ajustement. Et il faut surtout se dire que nous ne pouvons pas avoir tout d'une fois. Entre ce qu'on pense et ce qui a lieu, qui vient à nous, peut-être qu'il faut un peu plus de temps. Donc, soyons raisonnables, ajustons-nous et passons à l'action. Voilà le message de Parfum d'âme et je termine par l'énergie de guérison et aujourd'hui le bien. Ça me fait penser à ma petite fille. Le bien, je lui ai dit il y a pas très longtemps, quand tu fais quelque chose, eh bien, pose-toi la question si c'est bien ou si c'est mal. Si c'est bien, tu le fais. Si c'est mal, tu ne le fais pas. Donc, le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, eh bien, je calme mon petit cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi
et autour de moi et je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Faisons du bien autour de nous, hein? C'est tellement beaucoup plus agréable que de faire du mal. Le mal attire le mal, le bien attire le bien. Donc voilà, ajustement, faisons le bien, et puis, que demander de mieux? Allez, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine, ça passe tellement vite, n'est-ce pas? Et puis, je vous souhaite vraiment une très 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 jolie journée. Portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.